Bonjour Jimmy Omer. Bonjour Laurent. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ouais, ça va super. On se tutoie hein, évidemment. On est dans le milieu hockey, on va pas se prendre la tête. Donc je vais te présenter un peu l'émission. Je m'explique avec Jimmy Omer. Tu as choisi le lieu, tu vas l'expliquer pourquoi. L'invité a choisi deux thèmes. Donc tu as choisi deux thèmes. Et après, il y a différents sujets traités par les lignes éditoriales. Et évidemment, on finira avec la question cool, la question soft et la question hard. Donc déjà, on va commencer par ta présentation. Donc tu es chef matériel, tu as commencé à Reims, ouais. On reviendra là-dessus, pendant plusieurs années avec deux titres de champion, c'est juste. Ouais. Ensuite, tu arrives en 2002 à Genève, ouais. Avec évidemment bah, deux coupes Spengler, ouais. Donc, ça c'est des très beaux souvenirs. Ouais, c'était cool, et ouais. Puis la précédente saison, où, avril 2023, vous êtes champion suisse, donc le Graal, ça a été une année fantastique. J'ai eu la chance de venir beaucoup au Vernet, puis je pense que tu nous expliqueras un peu comment tu as ressenti cette saison. Et en parallèle avec l'équipe de France, de 1999 à 2013, et après ta paternité, tu réintègres le staff en 2019. Ouais, exactement. On est bon ? On est bon. Ok, alors on va commencer avec la première question. Tu avais surnommé à Reims un étranger Casper. Te souviens-tu de son nom et pourquoi ? Pourquoi Casper ? Casper, c'était, je pense, c'était Martin Givny, je crois. Incroyable. C'est ça, exactement. Un tchèque. Ouais. Parce qu'on l'a pas vu, en fait. C'était Casper le fantôme. Il avait des très belles stats, etc. Mais on l'a jamais vraiment vu, quoi. Il s'est jamais présenté. Il était là, mais. Ok, c'est ouais. Donc pas le niveau de. Il n'avait pas le niveau non, de la ligue. Non, mais je pense que c'était avec le recul maintenant, tu vois. J'étais jeune, je m'en rendais pas compte. Mais je pense que c'était juste un gars qui avait jamais eu un rôle dominant dans aucune équipe. Il était venu, il avait eu des bonnes stats en République tchèque, il est venu chez nous et puis il n'était pas là. Okay. Mais c'est fou, je ne me suis pas trompé, c'était bien lui. Hein. Ouais, incroyable, je savais que tu avais une mémoire de fou. Ouais. Là, c'est une question qui m'a un peu interpellé et puis j'ai lu ça dans une des interviews. Tu as déclaré que le président de Reims, M. Marcel, ouais. T'avais inculqué le travail bien fait. Peux-tu nous expliquer comment il t'a pris sous son aile? En fait, ça a commencé... Bon, en fait, ouais, bon, tout le monde connaît un peu cette histoire, mais je suis venu à la patinoire par hasard et le chef matériel à l'époque m'a demandé de l'aider. Et après quelques jours, il est parti, le gars il s'est barré. Je me suis retrouvé tout seul et monsieur Marcel m'a dit: bon, ben gamin, à partir de maintenant, c'est toi le chef. Et il m'a mis beaucoup de claques, beaucoup de coups de pied dans le cul et il m'a un peu sorti de ma cité, un peu, tu vois, où j'aurais peut-être pas bien tourné. Et puis, et je lui dois tout ce que j'ai fait aujourd'hui, quoi. Ok. Alors, on va venir un petit peu là-dessus. Tu as grandi au quartier de l'Europe à Reims, avec tes potes Bouboule, Djilali et Toufik. Exactement, c'est juste. Ouais, ouais. Vous étiez doué sur la composition dans la musique. Ça t'a amené quoi de passer ton enfance dans une cité, en fait ? De me rendre compte de la chance que j'ai tous les jours. Et puis aussi pour mes enfants, tu vois, la chance qu'ils ont de grandir dans un milieu qui n'est pas forcément une cité comme où j'ai grandi. Mais j'ai eu du plaisir, hein. Franchement, c'était une... très belle période, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, j'y retournerai plus. Mais c'était la belle vie, ouais. Pour échanger un peu avec toi là-dessus, moi, à l'époque, mon père était entraîneur professionnel et a signé à Valence. Ouais. Et du coup, on a habité au Polygone, je sais pas si tu connais. C'est une cité aussi. Et puis du coup, aujourd'hui, mes enfants, ils habitent à Divonne-les-Bains. Et je leur dis souvent que justement j'ai un peu le même parallèle parce que quand t'es le seul blanc, c'est compliqué au quotidien. Mais ouais. N'empêche que ça t'amène d'autres valeurs et puis des. Ouais, et puis tu. Et moi je suis fils unique, mais en fait j'expliquais ça à ma femme, j'ai jamais été vraiment fils unique finalement. On était toujours tous ensemble, donc on sortait dehors parce qu'aujourd'hui tu peux plus, enfin à 10 ans tu peux plus laisser des enfants tout seuls dehors, mais nous on pouvait parce qu'il y avait les grands, il y avait les parents, il y avait. Tu vois, les mamans du Maghreb, souvent, elles sont à la fenêtre à regarder et puis on était protégés, quoi. C'était cool, mais j'aimerais pas que mes enfants vivent là-dedans, quoi. J'ai appris, j'ai vu des choses que tu dois pas voir quand t'es jeune. C'est ça. Ok, on enchaîne. Bah là, on est toujours chez le club de Reims. Dino Grossi, italo canadien de Reims. T'as surnommé Jimmy pour des raisons de prononciation difficiles pour les anglophones. Ouais. Ton prénom est Aurélien. Comment ça se passe dans ton cercle privé au niveau des prénoms, voire des surnoms? Ma femme, mes parents, enfin ma femme, ma mère, ma belle famille m'appellent Aurélien. Et Jimmy, c'est vraiment le hockey ou en anglais. Quand je rencontre quelqu'un, je sais pas, j'ai rencontré des parents de la crèche où ma femme travaillait. Ils étaient canadiens et du coup, naturellement, si je parle anglais, je vais dire Jimmy. Mais j'ai un petit dédoublement de personnalité. À la patinoire, si j'entends Aurélien, je ne me retourne jamais. D'accord. Pour moi, c'est sûr que c'est pas moi. En fait,
C'est bizarre, c'est vraiment genre un truc où je l'entends pas en fait. Ah ouais. T'arrives à changer d'environnement et ton prénom change à ce moment-là. Ouais, ouais, quand je suis à la maison, si j'entends Jimmy dans la rue, je vais pas forcément retourner. D'accord. Alors maintenant, on continue avec Reims. Tu as commencé avec Michael Lustrom comme coach. Là, j'ai commencé avant ça. J'ai commencé avec Bedřich Brunklík. Exactement. Lui, c'était le. C'était un Tchèque qui était venu, un Slovaque qui était venu pour remplacer Vladimir Kovin. Exactement. Qui était parti à Tours parce qu'il. Non, il était parti en Russie, je crois. D'accord. Des petits problèmes. Et j'avais commencé avec Bedřich Brunklík et je l'ai vu quand on était en CHL à Košice. Et son maillot qui était accroché. Alors, je suis allé le voir, mais il a beaucoup vieilli. Il était déjà pas jeune. Et moi, j'ai revu il y a pas longtemps Vladimir Kovin, il y a 3-4 ans. Aussi, il a pris un coup de vieux, mais lui, il a tellement apporté aux jeunes à Reims que c'est vraiment une légende à Reims. Et alors là, la question, elle est un peu compliquée, mais tu vas devoir y répondre. Donne-nous ton top 3, avec leurs qualités, les meilleurs entraîneurs qu'ont travaillé avec toi et les impressions qu'ils t'ont données en fait. C'est top 3. Top 3. Ouais. Bon, en même temps, j'ai pas travaillé avec beaucoup d'entraîneurs finalement parce que j'ai toujours été à Genève, j'ai eu crise pendant longtemps. Ouais. Dans l'ordre, le top 3 ou le top 3? Non, le top 3. 3. Je pense que il y a Chris quand même, parce qu'il t'apporte une rigueur, un professionnalisme. Qu'est-ce qui t'a impressionné chez lui? Son attention aux détails. Il voit tout. Tu crois qu'il voit pas, mais il voit tout. Il sait tout ce que tu fais, tout comment. Il y avait ça. Lui, Lundström, parce que c'était un peu le premier, tu vois, il venait de Suède. La Suède, c'est réputé pour les chefs matériels, donc il m'a beaucoup aussi apporté. Et il était très bon avec il arrivait quand même de l'élite suédoise, vivre trop en France dans un club qui était un peu moyen à ce moment-là, et il a jamais fait preuve d'arrogance ou, tu vois, il expliquait, il apprenait à tout le monde comment se comporter, quoi faire, genre de choses. Donc il y a ces deux-là, et je pense que, on va me traiter de lèche-cul, mais je pense que Yann Cadieux aussi, impressionnant par ce qu'il fait, parce qu'il bosse comme un malade. Il bosse comme un fou et il a ramené un titre à Genève que personne n'avait jamais fait. D'accord. Tu arrives en juillet 2002, là il y a deux questions, une à Genève, comment et pourquoi. Et la légende raconte que tu as failli repartir deux jours après. Ah ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, je suis arrivé en juillet 2002, sous les conseils de Philippe Bozon qui m'avait conseillé à Chris Maxorley à l'époque. Le Genève montait en Liga, donc il voulait un chef matériel plus professionnel que ce qu'ils avaient. Donc Philippe Bozon, tu... Je le connaissais de l'équipe de France. Ok, tu le côtoyais en équipe de France. D'ailleurs, il m'avait dit, si je te trouve une gâche en Suisse, tu viens? Et moi j'ai dit oui, mais je savais pas ce que c'était une gâche en fait. Parce que c'est un langage de haut savoyard, je pense. Je savais pas ce que c'était. Après le match, il m'avait dit ça pendant un tiers et je suis allé voir John Zwickel et je lui dis, ça veut dire quoi une gâche? Il me dit une place, pourquoi? Et je lui dis, il me dit quoi, Bozon, il t'a dit ça, il parle à personne. C'est cool, il faut que tu dises oui. Je dis, bah de toute façon, j'ai dit oui, je sais pas ce qu'il disait. Donc, donc je suis arrivé ici avec. C'est lui qui m'a conseillé à Chris. Et je suis arrivé en 2002 et après quelques jours, j'ai dit, mais pour qui ils se prennent les mecs, c'était fou. Pour moi, c'était un monde totalement différent. Je passais de la famille, tu as joué en France, tu as coaché en France, tu sais ce que c'est, à ici, du hockey pro. Et je demande à un jeune, un joueur de 85, donc il avait 16 ans, 17, et je lui demande s'il peut m'aider à porter la machine à affûter parce qu'elle était lourde. Et il me dit non, c'est pas mon boulot. Et ça, en France, j'aurais même pas eu besoin de le demander, tu vois. Ça aurait été automatiquement. Wow. Et je me dis, bouf, ça va pas bien. Et Dino Kessler, qui est maintenant journaliste oblique, était là, c'était un des vétérans, il est venu et il a pris la machine à aiguiser seul et il l'a monté, donc c'était un peu mieux, mais moi j'étais un peu surpris ici au début, c'était différent. Ok, donc on va passer à ton premier sujet qui est assez vaste, hein. Tu as voulu parler de la culture de hockey, qu'est-ce que ça t'inspire? La culture, c'est, je pense que pour quelqu'un qui n'est pas issu du monde du hockey, c'est une culture qui est vraiment à part en fait, c'est quelque chose de très très spécial. Souvent pour les gens, des choses qui pour nous sont mauvaises, pour eux elles sont bonnes, ou le contraire. Tu vois, on a une culture qui est très particulière que je pense les gens dehors ont de la peine à comprendre. Tu vois, par exemple, c'est sûrement le seul milieu au monde où plus tu insultes les gens, plus tu les aimes en fait. Je sais pas si tu vois cette espèce de truc. Exactement. Et on est aussi, la culture du hockey, elle est quand même très attachée à l'histoire et à une couleur, à un club finalement. Tu vois ce que enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est, on est un peu old school, on est vraiment old school, et même j'ai l'impression d'être de plus en plus old school, tu vois. Maintenant ça fait 32 ans que je fais ça, j'ai 45 ans, j'ai fait ça toute ma vie finalement,
Et je me rends des fois, je me dis, mais je suis vieux, quoi. Je suis vieux, tu vois, les choses, juste ce truc sur les réseaux sociaux, de brasser le club, le truc officiel sur TikTok du Genève Servette qui va dire, on va se moquer de Lausanne parce qu'on l'a gagné. Ça, c'est un truc que, dans le hockey, dans la culture pure du hockey, c'est inimaginable. Pour moi qui suis old school, maintenant je vois la NHL commence un peu à le faire, mais c'est quelque chose qui, pour moi, à part t'attirer le karma, ça sert à rien du tout. Et c'est cette culture que les vieux, les anciens ont, et qui gentiment change. Et je me rends compte que je deviens un vieux con, quoi. Je me dis, putain, c'était quand même mieux avant. Alors, moi, pour te répondre et par rapport à ça, tu m'as posé la question avant qu'on commence ce reportage. C'est une des raisons pour laquelle, pour l'instant, j'ai pris un peu de recul, c'est que j'arrive plus à me retrouver là-dedans, justement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce que tu peux donner à quelqu'un, il te le rendait sur la glace ou quelque part, même si tu n'attends pas quand tu es entraîneur à ce qu'on te rende les choses. Mais aujourd'hui, c'est de la consommation à tous les niveaux. Et c'est vraiment dommage parce que le sport nous amenait, ce sport collectif, le hockey, nous amène cette solidarité. Et si j'ai un peu de mal avec des joueurs qui sont juste là pour consommer et qui pensent plutôt à leurs statistiques, aux réseaux sociaux, à leur image, que forcément au logo qu'ils ont sur le maillot ou au nom qu'ils ont dans le dos. Plutôt au nom qu'ils ont dans le dos. Ouais. Avant, c'était vraiment une attitude qui était réservée aux joueurs étrangers. Surtout en France, à l'époque, c'était les Canadiens, c'était comme ça, les Québécois. Mm-hmm. Et ça devient de plus en plus comme ça, mais on se rapproche gentiment. Notre culture, elle devient un peu comme la culture du foot. J'ai du respect pour les footballeurs, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même base que le hockey. Et moi, c'est pas vraiment négatif, mais ça change. Et tu te dis, quand t'entendais les vieux qui disaient « Ah, c'était mieux avant », tu te disais « Ah, c'est ça, vous êtes des vieux cons ». Mais en fait, tu te rends compte que bah, chaque période change et la culture est en train de changer vraiment assez vite et le changement est vraiment énorme, quoi. Même si, comme je disais, tu vois, j'ai fait 18 ans avec Chris, donc on avait toujours cette culture ici à Genève qui était très old school, et avec Yann on a un petit peu retrouvé ce côté aussi où on doit être humble, on doit la culture du hockey, quoi. Ok. Tu as parlé de Chris, on va rebondir là-dessus. Tu as fait 18 ans avec Chris Maxorley. Le meilleur souvenir dans son côté théâtral du personnage et la plus grosse frayeur où tu t'es dit comment on va s'en sortir là. La plus grosse, son côté théâtral, c'était, c'est arrivé plein de fois hein, où on jouait pas très bien et il arrive vers moi avant d'entrer dans le vestiaire, il me dit je suis désolé. Je dis quoi ? Il rentrait dans le vestiaire, il explose et tout. Les poubelles, elles volaient, tout volait, il ressortait, il me dit ah, après je t'aime. Et ce côté un peu chaud, mais qui marchait bien. Hein. Et moi j'ai entendu, tu vas me confirmer, mais que quelquefois aussi il laissait la porte ouverte, il faisait genre qu'il parlait avec un arbitre pour essayer de remobiliser les troupes en gueulant vraiment très très fort alors qu'il n'y avait personne dans le couloir. Ouais, ça arrivait, c'est vrai, ça. Ouais. Ça arrivait. Ouais, il était bon, il avait toutes les astuces pour essayer de. Il était bon vraiment, et souvent quand ça allait mal pour nous, puis que les joueurs. Les arbitres étaient un peu à son goût, pas au niveau. Il allait lui attirer l'attention sur lui, que les arbitres soient sur lui, pour qu'il laisse les joueurs jouer. Enfin, je sais pas si tu vois, si c'est clair ce que je veux dire, mais oui, tout à fait. Il soit hyper fâché avec lui et que du coup, il regarde plus les petits flashing, les trucs qu'ils attendent juste qu'ils disent quelque chose pour le mettre dehors. C'est ça. Il était très très bon. Il était pour ça, il était vraiment, il était bon. Et la plus grande frayeur avec lui ? Ouais, tu t'es dit là ça va trop loin, là on est pas bien. Il n'y a pas vraiment eu, parce que c'est toujours… Calculé. Ouais, comme Hans Kosman ou Louis Matt et moi, on a vraiment travaillé longtemps avec lui. On le connaissait bien, on savait toujours plus ou moins où il allait. Tu le vois venir, il m'a rarement vraiment surpris. Mais un jour j'écrirai un livre. Un jour, j'écrirai un livre et… Il y a pas mal de choses. Ouais, il y a tellement de choses. L'image qu'on a tous en tête, c'est à Berne. Quand il explose la porte. Et là, tu es sur le banc, tu sais ce qu'il fait, tu sais où ils vont venir. Bon, moi, c'était le début, ça, parce que je pense que c'était quand… Non, c'était peut-être en 2008. C'est quand on est en finale en 2008, je pense. Mais tu te dis, il craque. Et d'ailleurs, tu vois vraiment le personnage, parce que si tu as vu le film Les Règles du jeu, tu vois quand il repart au vestiaire, il marche. Et la caméra arrive et il se retourne et il répond à l'interview.
normal, c'était fini. C'est ça. Il a ce côté un peu, ouais, c'est comme tu dis, théâtral, et puis, mais je veux dire, ça a marché quoi, avec le type d'équipe qu'on avait. Ça a marché, il a toujours tiré le meilleur de tout le monde. Aujourd'hui, c'est les attitudes qu'il avait avec les jeunes. Aujourd'hui, je pense que ce serait compliqué. Parce que c'est plus possible. J'ai vu l'autre jour une interview justement de Thierry Henry avec Lisa Razou. Il expliquait que tu dois tout expliquer aux jeunes et machin. Ça, il n'y avait pas d'explication. C'était noir, blanc, terminé. C'est ça. Et puis quand tu vois les interviews, par exemple, tu parles de Thierry Henry, il y a Ryan Cherki qui explique qu'il a été étonné de comment il parlait dans le vestiaire, etc. Ça, à l'époque, tu ne pouvais pas faire. Hein. Tu aurais eu des gros problèmes. On va passer à la question suivante. Paul Savary, ça te parle? Ouais. Polo, ouais. On rigole déjà. Peux-tu nous raconter vos après-midi et comment Paul voyait ton avenir? Ah, il me voyait comme stand-up comédien. Là, il voulait que je fasse du stand-up. Mais comme je lui disais, je dis, moi, je suis drôle dans le hockey. Après, tu vois, avec la culture, ce qu'on parlait avant, j'ai un humour qui marche bien au hockey. Je pense pas que je serais très bon sur les planches. Mais avec les gens, c'était des fois tu lui faisais un peu des sketchs et puis lui il était ton public. Ouais. Non mais c'est qu'en fait Polo il adorait ça, ouais. Il restait toujours avec moi l'après-midi. Bon, il y avait lui, Thomas Derouns aussi qui restait et on blaguait tout le temps. Mais pour les, c'est pas que je me donne en spectacle, c'est que par moment mon cerveau, je sais pas, ça part en cacahuète et je m'arrête plus quoi. Mais c'est une façon de décompresser aussi. Je pense c'est ça. En fait je suis quelqu'un qui est quand même assez anxieux. Et quand ça va pas, faut que je parle. Et quand je parle, faut que je dise n'importe quoi. S'il y avait eu un micro sur moi à la finale, au match 7, je pense que j'ai dit pas. Bon, j'étais vraiment tendu, mais je pense que j'ai dit pas mal de trucs qu'on va en avoir. Je me souviens, pour l'anecdote, on jouait en quart de finale contre Berne. Il y avait Mathieu Carle qui jouait chez nous, un défenseur. Et une fois ou deux, là, le temps qu'il était chez nous, il s'est retourné, il m'a regardé, il me dit mais c'est quoi ton problème? Je lui dis quoi? Il dit mais tu racontes n'importe quoi. Je parlais avec le physio. Mais des questions rien à voir. Tu sais, quand t'es un peu tendu comme ouais, ça. Ça fait du bien. Je crois qu'il y a n'importe quoi. Lui, il m'a juste dit une phrase. Il adorait ta création narrative et ton sens de l'imitation aiguisée. Ouais, j'ai quelques imitations. Ouais. On y viendra après. Alors là, je vais te parler d'un tournoi à Kiruna. Ça ouais. te parle ouais, avec ouais, Genève. Ouais, 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 ouais. Vous avez gagné le tournoi, donc c'est quand même incroyable parce que quand j'ai regardé les équipes, chez l'FTO, Luleå et Firestat. Donc faut y aller. Hein. Il y avait Alexandre. Et Alexandre, exactement. Vous avez gagné le tournoi. Ouais. Et à la fin du tournoi, il y a le discours officiel avec tous les officiels du tournoi. Et puis Chris Maxorley, évidemment, qui prend le micro et qui est très à l'aise dans ce domaine. Et là, d'un coup, tu prends le micro, il se passe quoi? Ouais. Et alors, à cette époque-là, je consommais un petit peu d'alcool, ce que je ne fais plus du tout aujourd'hui, mais j'ai été un peu aviné et je suis monté sur la scène, en fait. Il y avait un groupe qui était là, qui jouait. Malgré ta timidité, c'est le fait d'avoir bu un peu des verres. Ouais, tu t'es pas timidité, mais là j'étais parti quoi. Ouais. Je suis monté sur scène, j'ai pris le micro et j'ai fait un discours. C'était assez solide. J'ai remercié le coach de Luleå en lui disant que c'était mon idole de jeunesse. C'était Slavomir Lehner, que je connaissais pas du tout, mais je savais que c'était. Et après j'ai chanté une chanson en suédois. Je me rappelle plus comment elle va en français, mais c'est le coucou là. J'entends le dans la forêt loin, ouais. Machin. J'étais en suédois. Et comment t'avais appris ça à Reims? C'était un joueur de Reims qui s'appelait Jens Elgren. Je lui avais appris ce soir on vous met le feu. Ouais. Et lui m'avait appris Gullegolan Kokosomeniok. Et ce qu'on m'a raconté, c'est ce qui était fou, c'est qu'il y avait un refrain et que tous les joueurs, tout le monde, toutes les équipes reprenaient le refrain. C'était Gullegolan Kokosomeniok et tout le monde faisait coucou. Et ça a duré, je sais pas, 10 minutes. Et après, j'ai chanté la Marseillaise, je crois, aussi. Et avant, t'as oublié quelque chose? T'as imité quelqu'un? Je me rappelle plus. T'as imité Chris Maxorley. Ah ouais? Ouais. Tout de suite après son discours, t'as imité Chris Maxorley en le faisant excellemment bien. Et tout le monde était plié et Chris, on ne pouvait plus. Je me rappelle plus, ouais. Honnêtement, j'ai zéro idée tactique, ok? Quand je regarde les matchs à la télévision et que je vois les analyses comme toi expliquer les trucs, moi, je comprends rien et je m'en fous. Mais je pourrais faire croire. Je pourrais une fois aller, là, si les gars me connaissent pas, je pourrais faire croire que je peux faire un speech, quoi. C'est... Comme ce que tu racontais, que tu as joué en NBA ou que le coach t'a traité. Ça veut dire quoi ce mot en anglais? Coward, ouais. Lâche. Ça c'est énorme. C'est vraiment magnifique. On va passer à ton sujet numéro 2. Donc, tu as voulu aborder la mentalité des clubistes. Peux-tu nous en parler? Est-ce que tu as des insights et des joueurs clubistes qui t'ont marqué?
Mais il y a des joueurs qui des joueurs clubistes, c'est quelque chose que tu vois aussi de moins en moins aujourd'hui, parce qu'ils ont des agents de plus en plus jeunes, tout ce truc. Et bon, il y a des gars qui m'ont marqué, t'as des gars comme en France à l'époque, Christophe Marcel, qui a fait, bon, son papa était le président, mais il a fait toute sa carrière là. T'as des gars comme Paul Savary, qui était quand même parti de Genève, mais qui a jamais voulu partir. Qui avait jamais voulu partir. Thomas Desroutes, qui était tombé amoureux de Genève, qui est parti. Je me souviens que c'était très compliqué pour lui d'aller à Berne. Et un gars comme Julien Sprunger, c'est quand même impressionnant finalement, parce que c'était probablement le meilleur joueur suisse de la Ligue pendant longtemps. Je sais qu'il y a beaucoup de clubs qui l'ont voulu. Je sais que notamment Chris a essayé. Et il est toujours resté à Fribourg. Et certaines personnes vont dire oui, c'est parce qu'il n'a pas eu le courage, etc. Moi, je pense simplement que c'est l'amour qu'il a pour Gauthieron finalement. Et c'est un truc qui dans le futur va manquer, va se perdre, et tu n'auras plus cette tradition, tu vois, de... Il n'y aura plus personne pour expliquer aux jeunes ce que veut dire le club, ce que veut dire, comme nous à Genève, qui va leur expliquer un jour ce que c'est le Grenat, pourquoi, comment, où était le club, où... enfin, tu vois, à part des gens comme moi maintenant, des chefs matériels qui restent longtemps, tu n'as plus vraiment de gens qui restent longtemps. Les joueurs, ils partent assez vite, ou maintenant ils vont aussi en Amérique du Nord, donc ils partent quelques années, ils reviennent. Mathias Seger aussi, qui était un gars qui restait longtemps à Rapi, à Zurich, malgré qu'il venait de Rapi. Mais... Et ça, c'est un truc qui... J'aime bien cette idée de clubiste. Il y avait au foot en France, Kasten Dutch, qui joue à Metz, qui a joué toute sa vie là, ou en Angleterre, au foot, il y en a plein aussi. Et c'est un truc que tu vois de moins en moins, parce qu'aujourd'hui, même Patrick Kane, il se retrouve aux Rangers de New York. Tu sais, ça, c'est assez fou, hein, de savoir que Kane est parti. Il n'y a plus ce côté clubiste. Tu vois, un gars comme Rivera, c'est un vrai... Chris Rivera, c'est un vrai clubiste qui malheureusement est parti pour des raisons interne au vestiaire. Interne au vestiaire. Et mais je sais qu'au fond de lui, ah bon, oui. je suis sûr, il pourrait le confirmer, qu'il a jamais été pleinement heureux d'être parti. Il a dû être content quelquefois, mais il était clubiste, quoi. C'est Genève encore aujourd'hui. On voit, il entraîne maintenant les jeunes ici. Il est attaché au club. Bah. Pour te faire une confidence par rapport à ça, mon premier match, bah, c'est mon club formateur, c'était à Lyon. Et mon grand-père avait été le président du club, mon père a joué comme gardien et entraîné le mouvement junior. Et la sensation que j'avais à l'époque à Lyon, il y avait un petit luminaire qui venait, tu rentrais dans le noir là. La sensation que j'avais quand je rentrais avec la fierté de ce maillot sur les épaules, je ne l'ai jamais retrouvé ailleurs. Et il m'arrive à mon âge, j'ai 50 ans aujourd'hui, de rêver des fois que je vais finir ma carrière à Lyon et entraîner. Et des fois, je me vois jouer encore. Dans mes rêves, je me vois encore rejouer à Lyon. Donc c'est quand t'as l'amour, quand t'as attaché à un club. Quand t'as l'amour d'un club, j'arrive à comprendre complètement ce que tu dis. Mais c'est comment ? Moi, je me rends compte aujourd'hui que Genève, pour moi, c'est chez moi maintenant. Je peux pas faire autrement, en fait. C'est marrant parce que il y a quelques années en arrière, j'ai eu des offres plusieurs fois, mais j'avais une offre qui était très bien pour aller en Suisse allemande. C'était une de mes questions, alors vas-y, développe. Pour aller en Suisse allemande. Et tu peux nommer le club ou... Oui, c'était Berne qui m'avait proposé. J'avais entendu. Et ils t'ont dragué pendant plusieurs saisons. Pendant plusieurs saisons, à l'époque de Bordeaux, du Bé. Exactement. Ils m'avaient dragué et j'avais vraiment envie d'y aller. J'étais parti en me disant, bah, tu sais quoi, je vais y aller. Et j'ai appelé John Zwickel. On discutait et puis il me dit, mais t'es con quoi. Il me dit, tu vas à la Berne gagner un titre. Il dit, super. Il dit, c'est mieux de le gagner avec Genève, où t'es là depuis le début. Et au final, il avait raison. Parce que je pense pas que si j'étais à la Berne à l'époque, je sais plus en quelle année c'était, mais j'en aurais peut-être gagné 5 ou 6. Et il m'aurait fait moins plaisir que celui-là, quoi. Celui que j'ai attendu c'est quelques années, tu vois. Là, tu le savons vraiment. Ouais, et puis c'est chez toi finalement. T'es chez toi. Tes enfants sont nés là. Mes enfants sont nés là, ma femme est d'ici. C'est chez toi. C'est chez moi, ouais. On va parler un peu de l'équipe de France. Pourquoi, durant les compétitions internationales, tu traînes toujours avec le staff canadien ? Le staff canadien. Il y avait une des raisons. Alors, je ne sais pas si tu te souviens. À l'époque, au début... Parce qu'on n'avait rien et qu'eux, ils nous donnaient pas mal de choses. C'est ça, exactement. Nous, on n'avait jamais rien. Donc, les Canadiens... Moi, je suis assez sociable. Ouais. Et je fais partie de l'association des chefs matériels. Donc, je vais aux États-Unis chaque année. Donc, je les connais tous un peu. Et souvent, j'étais copain avec eux pour qu'ils nous donnent des trucs parce qu'on n'avait rien, quoi. Enfin, j'étais pas copain avec eux pour ça, mais ouais, je me servais de ces relations, d'avoir des choses. Mais des choses techniques, c'est-à-dire, par exemple, pour... Ils montraient deux, trois trucs, mais non, ils nous donnaient des produits aussi. Aussi des produits. Des choses qu'on n'avait pas, ouais. On n'avait jamais de boisson. Telle boisson, j'allais les voir, ils me donnaient de la boisson. Ou
des barres de céréales parce qu'on n'avait pas, ou ils nous ont souvent aidé, quoi, des visières, des gants. On avait des gants pour Steve Acosta par exemple. Il avait toujours des. Bah, il venait de NHL, donc il avait des besoins différents des joueurs français. Du coup j'allais voir les Américains qui eux me passaient des gants, vu qu'ils sont bleu, blanc, rouge aussi. Ils nous passaient des gants pour Steph. C'est dingue. Et t'as vécu les regroupements avec dans des hôtels où vous étiez trois par chambre? Moi ça j'ai pas connu trois par chambre, mais j'ai connu dans des Formule 1, tu vois. Et quand tu fais. Moi je fais 1m91, je fais beaucoup de kilos, je sais pas combien, mais. C'est petit quoi, des lits comme ça. J'ai connu la Chine, on est allé au championnat du monde. Alors voilà, Chine. Je voulais y venir. Comment c'était passé? C'est l'année où vous avez été promu. Hein. On a été promu. Il y avait ouais. des toilettes un peu particulières dans les vestiaires. Ouais, c'était des toilettes turques au milieu de la douche. J'ai vu qu'un joueur qui allait dedans. Il y en a un qui a voulu quand même. Mais non, c'était fou. C'est de nouveau, c'est quelque chose que les gens du hockey qui viennent du hockey professionnel, comme ici, comme en Suède, en Finlande, il faudrait qu'ils voient ça une fois pour qu'ils se rendent compte de l'amour. Qu'ont par exemple les joueurs français ou les joueurs hollandais, ces nations mineures pour le hockey sur glace, quoi, parce qu'ils gagnent pas les salaires qu'on gagne ici, et ils y vont, quoi. Ils vont en Chine dans des conditions incroyables, le lit c'est un tatami. Je me couche dans le lit, ça frappe à ma porte, une dame, une chinoise qui me parle en chinois, je comprends rien, elle fait rentrer un mec dans ma chambre que je connais pas. Le gars me dit bonjour, Xavier Lenné, photographe à l'équipe. Ouais, mais pourquoi tu dors là? Enfin, je sais pas, il parle pas anglais, il parle rien. Tac, une dame qui dort, un gars qui dort avec moi, la dame me l'amène. Je sors de la chambre, la dame elle m'engueule parce que je sors de la chambre. Non, non, il faut rester dans votre chambre. Des choses que tu vivras pas si tu vis que dans le hockey professionnel, quoi. On a eu on avait des soupçons qu'on nous piquait des trucs dans le vestiaire à Chichia en Chine. Et du coup, mon collègue là, il avait fait un piège, c'est un ancien légionnaire. Et il avait accroché des poids au-dessus de la porte et la femme de ménage est rentrée. On est arrivé le lendemain, elle avait un bandage sur la tête, elle s'est pris des poids, il avait mis, je sais plus ce qu'il avait mis, des trucs. Ouais, c'était magnifique. On a vécu des belles choses en équipe de France. Et c'est l'année de la promotion aussi. Ouais, on fait la promotion, on bat, je pense, le Kazakhstan. Il y avait Mons, Laurent Meunier. Il y avait Laurent Meunier, il y avait Kevin Ekfeuille qui a joué en Suisse. Exactement. Qui est entraîneur assistant maintenant à Viège. Ouais, il y avait qui d'autre? Il y avait quelques gars qui ont joué en Suisse, je pense. Et je sais pas s'il y avait Yorick qui était là. Yo était là, ouais. Sacha Trey, son frère était là aussi. Okay. Et je me souviens, Sacha et moi, on n'en pouvait plus. La nourriture, c'était horrible. Moi, j'ai mangé des Mars et des sneakers que j'achetais dans un magasin Carrefour qu'il y avait pendant 10 jours. Et un matin, on arrive au petit déjeuner et il y avait des cuistots européens. On s'est dit, mais c'est quoi? C'est fou. C'est les cuistots européens qui faisaient les œufs et tout. Puis d'un coup, je regarde, c'était les Polonais. Dès qu'ils ont été, ils pouvaient plus monter. Les Polonais, ils ont piqué la cuisine et c'est eux qui ont commencé à faire à manger pour tout le monde. Incroyable. C'était magnifique, c'était vraiment. Dans un championnat du monde, c'est extraordinaire. Bon, c'est groupe B, ils étaient en Chine, tu vois, ils n'avaient aucune idée du hockey, rien du tout. Les sous-vêtements des joueurs n'étaient pas secs. Un jour, je leur dis, pourquoi c'est pas sec? Et le gars, il me disait, il pleut. Quoi? En fait, il avait les sous-vêtements, il les raccrochait dehors. Comme il pleuvait, ça fait, je sais pas. Tu fais ça avec une équipe suisse, c'est fini. Ils rentrent à la maison. Nous, on riait, tu vois. Ouais. Alors maintenant, tu as vécu des grandes choses hein, dans ta carrière, tu as vécu des grandes choses au niveau des compétitions internationales, tu as fait les JO, les championnats du monde, la Coupe Spengler, la Champions League et évidemment la National League. Là, c'est ton top 3 aussi dans le désordre des joueurs qui t'ont le plus impressionné sur toutes ces compétitions. C'est compliqué. C'est des joueurs que j'ai eu moi ou des... Non, des adversaires ou des joueurs que tu as eu toi. Un joueur importe. Que ben, j'ai rencontré Wayne Gretzky à Salt Lake City, mais qui était... Il était, je sais pas ce qu'il était, GM ou quelque chose. Il était team manager. Ouais. Ouais, et moi, j'ai toujours la gueule ouverte. Je peux parler à n'importe qui. Et il m'a demandé à quel étage j'allais dans l'ascenseur, parce que je suis monté après lui. Et il a dit, j'ai répondu à blablabla. Là, j'étais vraiment impressionné par lui. Mais des joueurs qui m'ont impressionné par leur jeu, bah, il y en a beaucoup, trois, c'est compliqué. Mais tu as un gars comme Philippe Bozon qui était impressionnant, Goran Bezina. Qui étaient impressionnants par leur leadership et leur qualité aussi sur la glace. Après, tu as des joueurs purement sur la glace, comme Juraj Kolnik qui marquait. Tu as maintenant Arti Kainen. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les buteurs parce que si c'était si facile, il y en aurait beaucoup. Et il y a tellement. Et un joueur que tu n'as pas eu dans tes équipes, mais vraiment là, tu étais au match. Qui? Peteri Noumelin, mon idole. Okay. Noumelin, c'est mon, je voulais mon idole. Je suis hyper fier parce que quand je le vois, quand on joue contre Ajoie, il connaît mon nom. Ça, c'est incroyable. Et je voulais appeler mon fils Peteri, le premier. Ma femme n'a jamais voulu, ce que je peux comprendre finalement. Et je l'ai appelé Timo. Et en fait,
son vrai, en fait, il s'appelle Timo Petteri Nummelin. Là, c'était le hasard, je savais pas. Je savais que son père s'appelait Timo. Ça, c'est fort, ça. Et du coup, il s'appelle Timo. Mon fils s'appelle Timo, ouais. Ok, maintenant, tu vas mettre tes qualités de chef matériel à mon service. Alors, je suis droitier. Ouais. Je suis assez bas sur mes patins et j'aime bien être vers l'avant. J'aime bien être protégé de mes membres inférieurs et avoir de la liberté dans mes membres supérieurs. Au niveau de ma canne, j'aime bien une balance en bas. PP92, la courbe générale. Et puis un flex pas trop dur, sans grip. Peux-tu me conseiller un équipement, du sac au sous-vêtement avec la coquille, etc., dans toutes les marques que tu as connues de tous les temps, qui correspond à peu près à ça? À peu près à ça. Patin en avant, je dirais Graf, avec les supports Tuck Custom Plus. J'ai quand même une anecdote là-dessus. J'avais eu des Graf et je voulais mettre d'autres supports et tu m'avais quand même mis le nom d'un vieux hockeyeur français dessus, marqueur Henri Lévis. Juste. Patrick Pommier. Juste. Donc, du coup, j'ai passé des jours à essayer de l'enlever. Mais ouais, les patins Graf en avant, ouais. Bien protégés en bas, c'est ça que tu m'as ouais, dit? Ouais, j'aime bien être bien protégé en bas. Ouais, j'aime bien coucher sur les chutes. Jean-Bierre Joffa, ouais. Les anciennes avec la petite protection qui montait là. Je les ai toujours. Et Daniel Winnick, je lui ai créé ça en fait. Okay. Parce qu'il voulait ça mais ça n'existe plus. Du coup, okay. Je lui ai fabriqué ça. Cuissette Tacla. Ouais. Comme Mario Poularas. C'est la base Mario Poularas, la vraie bonne cuissette Tacla. Coquille, ça c'est la Joffa. Plastique blanc, classique. Avec l'élastique où tu mets les lacets. Exact. J'en ai encore une d'ailleurs, personne ne la veut, j'essaie de la refourguer, mais les gars ils veulent plus. Plastron en haut, le Joffa JDP là, avec la mousse et juste les coques plastiques. J'en ai une paire aussi là-bas que Yann Cadieux m'a ramené, Paul André, on n'avait plus besoin, il me les a ramené ici. Donc j'ai aussi ça, ici. Casque CCM, à l'ancienne, avec les. Comme toi tu avais quand tu joues à Lyon. Ouais, exact. Les oreillettes en haut là. Ouais. Et la canne avec le flex en bas. Moi, je serais quand même allé sur du Cooper ou du Montréal en bois, mais si tu veux du flex en bas, je suis obligé de dire Warrior. Ok. Gants Bauer, les gants courts Bauer. Ça, c'était la classe. Tu vois, tu m'as jamais vu jouer quand j'étais avec Lyon, mais c'est le genre d'équipement que j'ai, quoi. C'est ça, donc c'est vraiment le matériel qui me correspond. Bon, merci. C'est alors. Old school encore. Merci. Mais ouais, merci beaucoup. Une question sur la famille. Avec ton emploi du temps et tes horaires irréguliers, comment se conjugue la vie de famille avec ton épouse et tes trois kids dessus? Moi, j'en ai quatre. Et j'ai essayé d'imaginer comment, par rapport à tes horaires, comment tu essayais de gérer. C'est pas facile. J'ai la chance que ma femme, elle gère vraiment tout hyper bien. Et alors, en fait, ce que je fais, c'est que quand je suis ici, je suis 100% ici. Mais quand je suis à la maison, j'essaye d'être 100% avec eux. C'est-à-dire que je fais rien de loisir autre que la famille, si tu veux. Je vais pas partir en week-end l'été quand la saison s'arrête. Ça ne viendrait pas à l'idée de partir en week-end 3 jours avec des potes, quoi. J'essaye d'être au maximum avec la famille. Après, là, maintenant, ça a quand même changé. Tu vois, les jumeaux, ils ont 8 ans. Le grand, Timo, il a 10 ans. Et donc Mati, qui est le garçon jumeau, il joue au hockey, donc on se voit, je le vois le mercredi, il passe un moment et puis... Ça facilite les rapports. Ça facilite. Là. Ma fille, elle fait du patin artistique, donc elle est aussi là régulièrement. Et le grand, il fait du uni-hockey. Et le uni-hockey, c'est moi qui gère les entraînements. C'est moi qui vais avec lui le lundi soir, je vais avec lui le mercredi soir. Donc ça, c'est mon truc avec lui qu'on partage tous les deux. Parce que le hockey, forcément, je le partage avec Mati. Et après, c'est pas tous les jours rigolo, tu vois. Ce soir, mon fils, il rentre de camp, il est parti depuis une semaine. Je vais pas le voir, donc c'est un peu dommage. Mais après, t'essayes d'avoir des moments de qualité, peut-être moins nombreux, mais plus forts. Et après, nos amis, tu vois, souvent, on passe beaucoup de temps avec les Cadieux, parce que je suis le parrain de son fils, le grand, c'est le parrain de mon fils. Du coup, on se voit, on essaye aussi, du coup, on les fait venir des fois le dimanche, si nous on bosse. Bah, on dit, bah, venez, et puis on mange tous ensemble ici, une fois que les joueurs sont partis, et puis... passe un peu de temps avec eux comme ça. T'organises un petit peu, ouais, ton entraînement. On essaye de faire comme ça. Ok, maintenant j'ai un jeu que j'adore avec toi. Les anciens, les donc, noms improbables. Donc, citer les anciens joueurs français avec des noms improbables en 5, et c'est toi le juge arbitre. C'est toi qui commence. Alors, Christophe Dietzolka. Jackie Pampanet. Fefe Marciano. Oh, celui-là, il est solide. Taras Zitensky. Ouh là 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 là. Mieux que Taras Zitinski, Stéphane Dugal.
Jean-Louis Cro. Ouais, ça c'est solide. Je veux t'en trouver un bon là, un vraiment ouais. bon. Monaco. Ah. Tours. De Tours. De Tours. Michel ouais. Tavernier de Morzine. Michel Tavernier qui a joué à Reims. Exactement. Mieux que ça. Ouais, c'est Olivier Bordas. Salut. Ah, c'est ancien, Alain ça. Boisson. Alain Boisson. Gérald Guédelon. Bon, bah c'est voilà. indissociable pour moi les deux. C'est toi qui je pense qui a gagné quand même parce que avec. Toi tu les avais préparés surtout. Ouais, je les avais préparés surtout. Donc, bah, tu avais déjà répondu à ces questions. Quel club qui t'a le plus dragué? Bah, tu nous avais parlé de Berne. Lugano est le plus. Lugano aussi. Lugano, bien essayé. C'est sympa Lugano aussi. Ouais, mais c'est pas Genève. C'est pas Genève. Dans quel club en Suisse, et si tu veux pas répondre, en Europe, refuserais-tu catégoriquement de travailler par rapport à ta fonction? En Suisse, il n'y en a pas vraiment. Il y a beaucoup de gens qui te diraient Langnau, moi j'adore. Je vais aller en vacances à Langnau avec ma famille. Moi, j'aime la Suisse allemande profonde. Quel club en Europe?